plus d'une cinquantaine de livres sur des sujets aussi divers que la souffrance, la foi, le sens de la vie divine, la vulnérabilité, la force de la vulnérabilité, le bonheur, l'émerveillement. Et ce soir, vous êtes là justement pour nous parler d'émerveillement, fondement de votre philosophie. Et si vous êtes là parmi nous, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle. Pour vous, Bertrand, qu'est-ce que l'émerveillement ? C'est la seule question que je peux poser. C'est formidable parce que vous aviez, ma chère, presque répondu à cette question en même temps que vous la posez. C'est ce qui fait que, de toute façon, on ne pose jamais que les questions dont on connaît la réponse. Vraiment, on n'a pas besoin de se poser la question. Bon, écoutez, je vous salue toutes et tous. Je veux vous dire le plaisir que j'ai de revoir cette maison. Je me souviens d'être venu ici et d'avoir vu cette maison qui m'est apparue comme une sorte de rêve du grand monde. Vous voyez, tout d'un coup, il y a des fêtes magnifiques dans des lieux magnifiques. Bien, voilà, cette maison, c'était à un moment comme le grand monde au milieu de ce 6e arrondissement. Et puis tout d'un coup, j'ai la chance d'y revenir et de revenir avec vous. Ben, c'est magnifique et je m'en réjouis beaucoup. Et merci pour Isabelle qui nous invite. Et merci à Christine.